Regarde comme c'est beau. Nous sommes ici au centre de Munich et le FC Bayern a ouvert le FC Bayern World avec notre boutique et notre hôtel. C'est génial. Bonjour Nicole. Bonjour Jovan. Entrons à l'intérieur. Le FC Bayern World est un super exemple de bâtiment à usage multiple. Boutique des fans du FC Bayern, hôtel et gastronomie en un seul lieu. Les taux d'occupation et les pics de fréquentation nous imposent de bien réfléchir à la gestion d'un espace aussi restreint dans un bâtiment, aussi central en ville, mais cela a été résolu de manière excellente. Bonjour Nicole et Jovan, bienvenue. Nous disposons de 1000 mètres carrés d'espace de magasin. Ce projet est destiné aux meilleurs fans du monde entier et nous en sommes très fiers. Mais maintenant, allons au sous-sol. Nous passons par la cuisine, juste à gauche. Ah oui, j'allais oublier. Avant de nous rendre au sous-sol, je dois vous dire quelque chose. Fishman va vous faire gagner un super lot à la fin. Attendez et voyez. Nous sommes dans la chaufferie à présent. Nicole, tu dois prendre le relais, car tu es l'experte ici. La particularité de ce bâtiment est qu'il est relié au réseau de chauffage urbain de Munich. Cela signifie que la chaleur est produite de manière centralisée et transportée ici par des conduites. Ici, nous avons deux réservoirs tampons dans lesquels la chaleur est stockée. La particularité de ce bâtiment est que nous avons deux systèmes qui sont construits indépendamment l'un de l'autre. Et ici, nous avons quatre stations d'eau fraîche. Ce sont des modules d'eau potable, pour ainsi dire. Grâce à un échangeur de chaleur interne, ils captent la chaleur du réservoir tampon. La particularité ici, c'est que nous avons ces quatre stations, ce qui signifie que lorsqu'on a besoin de moins d'eau, il se peut qu'une seule fonctionne. Mais le matin, lorsque tous les clients de l'hôtel se douchent, les quatre stations peuvent fonctionner en même temps. Ces stations garantissent que la même température est maintenue au robinet à tout moment et à tous les débits. C'est assez serré ici, chaque centimètre carré a vraiment été utilisé au maximum. Oui, cet espace correspondait à une place à bâtir il y a 2 ans, et nous avons tout utilisé, et ce n'est pas différent avec les chambres froides. Et c'est fait sur mesure? Non, elles sont planifiées et ensuite construites ici. Maintenant, il va faire un peu plus frais. Nous avons ici quelque chose de spécial concernant l'utilisation de l'espace, avec notamment plusieurs chambres froides imbriquées les unes dans les autres. Mais il commence à faire froid. Sortons d'ici. Ici, nous avons l'affichage des températures. Chaque chambre froide peut être tempérée individuellement. Ici, nous sommes dans le restaurant gastronomique. Oui, le point fort ici est la cuisine ouverte, avec ses 90 places. En parlant de cuisine haut de gamme, peut-être que vous mangerez ici bientôt, car Fishman vous offre un séjour à Munich, dans cet hôtel. Voici le summum absolu. Sur 130 mètres carrés, regardez ça. La plus grande fenêtre de toit de Munich, une suite, un espace événementiel, un bar. Tout ce que votre cœur désire. Les rêves deviennent réalité ici. Regardez donc ceci, tout près de la Frauenkirche. N'est-ce pas sensationnel? Regardez. Eh bien, en plus de l'hébergement dans cet hôtel, vous recevrez 2 billets VIP pour un match du FC Bayern et une rencontre avec une légende du FC Bayern. Bonne chance! Nous sommes maintenant au premier étage dans la zone des magasins, avec tout ce que le cœur de nos supporters désire. Nous avons souhaité conserver un aspect régional, c'est pourquoi les pierres viennent de l'Isar, un fleuve du nord de Munich. Et ici, au sous-sol, avec 500 mètres carrés, nous avons la plus grande surface de la ville. Merci beaucoup pour cette visite, Izzy. C'était très agréable. Un grand merci également à toi, Nicole. C'était très intéressant. Gagnez maintenant un séjour à Munich. Une nuit pour 2 personnes à l'hôtel FC Bayern World. Avec en plus 2 billets VIP avec un match à domicile du Bayern Munich et une rencontre avec une légende du FC Bayern.